Il ne s'attendait pas à recevoir un chat par la poste. Lorsqu'elle a vu un petit chaton courir après son camion, une factrice américaine s'est immédiatement arrêtée pour lui porter secours. Comment rester insensible au sort d'une minuscule boule de poils qui vous court après comme si elle appelait à l'aide? Cette factrice de Brooklyn n'a pas hésité une minute. En voyant le chaton sur le bord de la route, elle a stoppé son véhicule et est allée le chercher. Le chaton âgé de 6 semaines s'est laissé attraper sans difficulté, et sa sauveteuse l'a mis dans un carton en attendant de trouver une solution. La factrice savait que non loin de là, résidait une personne ayant fondé son association de protection animale. Elle a donc pris la direction de sa maison et lui a remis son colis inattendu. Et si les destinataires ne s'attendaient pas à recevoir un chaton par la poste, ils n'ont pas hésité à prendre soin de lui. La factrice n'aurait jamais imaginé délivrer un tel colis. Le petit félin a été baptisé Charlie. Il a été lavé et traité contre les puces qui l'infestaient. Affamé, il a englouti une assiette de nourriture dès son arrivée avant de tomber dans les bras de Morphée, confortablement installé dans un panier. 2 semaines plus tard, la famille d'accueil de Charlie est parvenue à capturer dans la rue un chaton qui n'est autre que le frère de Charlie. Nommé Wallace, il a retrouvé Charlie au sein de sa famille, et a été soigné. Aujourd'hui, les petits ont repris le poil de la bête et viennent de trouver une famille adoptive. Ils grandiront ensemble. Et même dans leur nouveau foyer, ils gardent précieusement le carton dans lequel Charlie a été déposé par la factrice, c'est de loin leur dodo préféré.